Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous l'avez compris, nous allons parler de la collaboration d'Urban Decay et de Game of Thrones, et en particulier de la palette. C'est une collection qui est sortie donc, sur le site d'Urban Decay le 14 avril, donc pour coïncider avec la sortie du premier épisode de la dernière saison de la série. Sephora France quant à elle devait la sortir le 29 avril il me semble, mais le 18 avril à minuit, la collection était déjà disponible sur le site de Sephora France, excepté... Le gros coffret où vous avez toute la collection dedans, ça c'était pour plus tard. Pour l'instant, il y a des produits sur Sephora France et Urban Decay. Au niveau de la collection donc, vous avez une palette de fard à paupières, une palette d'highlighter, 4 rouges à lèvres, un produit liquide pour le blush, vous avez aussi des pinceaux et il me semble que j'ai fait le tour, je vous mets un visuel de la collection juste ici. Pour ma part, je n'ai acheté que la palette qui coûte 66€ sur Sephora France. Au niveau donc de la palette... L'emballage, je vous le montre vite fait puisque c'est la même chose que la palette, donc le petit design avec les couleurs juste ici. Ce qui est assez sympa, c'est que vous avez la carte à l'intérieur, ce qui est plutôt cool. Au niveau donc de la palette en elle-même, même design, une espèce de gros livre, donc avec une petite reliure bien sympa, etc. Hop, quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir juste ici. Ici, vous avez une citation de Daenerys, le fameux trône de fer, et... ce qu'on attend tous, la palette qui se trouve donc ici sur un petit tiroir. C'est une palette donc de 20 fards à paupières avec des finis mats, irisés, un peu pailletés. Et elle a pour but de représenter un peu les couleurs de chaque maison. Est-ce que je regarde, oui ou non, Game of Thrones? Eh bien non, je fais partie des rares gens qui n'ont jamais vu un seul épisode de Game of Thrones. Mais ça va peut-être changer. Et donc pour vous montrer ce que vaut cette palette, j'ai décidé de faire un look pour chaque maison. Donc comme je vous le rappelle... les White Walkers, les Stark, les Lannister et les Targaryen. Donc j'arrête de parler et c'est parti pour le premier look. Alors tout d'abord, je viens prendre la teinte Frozen North avec un petit pinceau biseauté. Et je vais venir dessiner une forme sur mon œil. Donc un peu pointu sur les côtés. Un peu plus ronde au milieu. Bon, pour essayer d'avoir une forme un peu plus similaire, j'ai tout simplement agrandi le trait pour essayer d'avoir à peu près la même forme des deux côtés. On va se munir d'un pinceau plat et on va prendre la teinte Free Folk. Et on va venir la mettre sur la paupière au niveau du coin interne. Mais on va pas aller la faire aller jusqu'au bout. On va l'arrêter à peu près ici. Une fois que c'est fait, toujours avec un pinceau plat humidifié, je viens prendre la teinte White Walker et je viens la mettre, je viens la juxtaposer en fait. Donc j'y vais, mais je vais pas totalement dans la virgule que j'ai faite, puisque la virgule va être remplacée par une autre couleur, donc je m'arrête à peu près à ce niveau-là. Maintenant qu'on en est là, on va reprendre la teinte Frozen North avec un pinceau biseauté, et on va simplement venir remplir ce qui reste en fait de la virgule avec. Une fois qu'on a fait ça avec ce même pinceau et toujours avec Frozen North,
on va venir faire le ras de cil inférieur. Je vais venir blender. Je vais désormais prendre la teinte Hard Home avec mon petit doigt pour venir la mettre en touche de lumière au coin interne de mon œil. En off, j'ai appliqué un crayon turquoise irisé dans ma muqueuse et du mascara. Il est temps maintenant de mettre des faux cils. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le rouge à lèvres Elle Belle. Je vais rajouter un peu de Free Folks juste au-dessus de mes lèvres, juste sur, au niveau de l'arc de Cupidon. Alors, je vais commencer par prendre la teinte Nymeria avec un pinceau fluffy. Je vais donc venir la mettre en creux de paupière. Une fois que c'est fait, toujours avec cette même teinte Nymeria et avec ce même pinceau fluffy, je viens prendre de la matière et je le mets sur ma paupière. Maintenant que c'est fait, je vais venir prendre un eyeliner liquide et je vais me tracer un gros liner avec une wing assez importante. Je vais venir utiliser la teinte The Sight et simplement venir remplir mon trait de liner. Maintenant que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Werewood Leaves et je vais venir la mettre en ras de cil inférieur. En off, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure, et au niveau inférieur, j'ai fait un assez gros trait que je suis venue descendre un peu en dessous et que je suis venue flouter donc avec la teinte Werewood Leaves. Et j'ai aussi mis du mascara. Du coup, il est temps maintenant de mettre les faux cils. Je vais d'abord utiliser un crayon marron clair, pour faire le contour de mes lèvres. Et une fois que c'est fait, je vais venir appliquer le rouge à lèvres liquide Dolce K de Kylie Cosmetics.
Alors, je vais, dans un premier temps, commencer par la teinte House Lannister et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Je viens ensuite prendre la teinte Lannister Red, toujours avec un pinceau fluffy, et je viens encore une fois le mettre en creux de paupière, mais je vais descendre un peu plus, ça va être quand même une couleur qui sera assez principale dans ce make-up. Et je le floute bien entendu avec House Lannister juste au-dessus. J'en remets un peu au niveau du coin pour l'intensifier un peu plus que le reste. Bien sûr, je le floute tout de même, je vais pas laisser ça comme ça. Mais j'essaye quand même d'en laisser un peu plus dans le coin. Et je vais venir prendre la teinte irisée Red Keep que je vais venir donc appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile, tout simplement. Et je vais reprendre un peu de Lannister Red, vraiment un chouïa dessus. Et je vais venir flouter en fait simplement les bords pour faire la transition entre les deux qui est pas très jolie là quand c'est fait au doigt. Je vais juste reprendre avec le pinceau un peu de Lannister Red, comme je vous l'ai dit, pour mettre un peu ici dans le coin. Pour juste foncer un petit peu plus. Et donc, en ce qui concerne le bas de mon œil, je vais simplement reprendre les mêmes couleurs. Donc là, je reprends Lannister Red. Je viens le mettre en ras de cils. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc je le mets en ras de cils, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête environ ici. Je vais venir le flouter dans quelques instants, mais je fais déjà la même chose de l'autre côté. Et donc maintenant, je vais venir reprendre la couleur irisée, donc Red Keep, et je vais la mettre en fait dans ce qui reste du coin, en la superposant un petit peu sur sa copine d'à côté. Je vais venir maintenant faire une touche de lumière dans le coin de mon œil avec la teinte King's Landing. Je la prends au doigt, je la dispose juste dans le coin. En off, j'ai appliqué du crayon noir en muqueuse, donc en haut et en bas. J'ai appliqué mon mascara et donc maintenant il est temps pour moi de mettre mes faux cils. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer un rouge un peu orangé, je trouvais que ça allait bien avec le make-up, et donc je vais choisir le 22 de Kylie Cosmetics, mais je ne trouve plus le crayon qui va avec. Pourtant j'ai le lip kit, du coup je vais prendre un crayon Kylie Cosmetics d'un autre, il me semble que c'est le crayon qui va avec Ginger. Et maintenant on vient appliquer le lipstick. Dans un premier temps, je vais venir me munir d'un pinceau biseauté pour venir tracer une forme avec la teinte Stormborn. Je vais faire une espèce de petite, je sais pas comment on appelle ça. Je
tracer une espèce de... flèche. Je ne saurais pas trop le dire. Je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter pas très loin. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, je viens prendre ce même pinceau ou un autre pinceau pour continuer cette forme, mais cette fois avec la teinte Benzeni. Je continue la forme, mais je vais pas jusqu'au bout. Avec un pinceau plat, je vais reprendre ces mêmes teintes. Donc je vais commencer par la Stormborn. Et en fait, donc je viens l'appliquer dans la surface libre. Et je vais m'arrêter tout simplement à la deuxième couleur, donc à Benzeni. Stormborn fait énormément de chutes. N'essayez pas d'étaler, vraiment tapotez-le parce que... Mais il est tellement poudreux, c'est hallucinant. Bon, ce que vous ne voyez pas là, c'est que j'ai énormément de chutes. Genre vraiment énormément. Je vais devoir corriger tout ça. Je pense que je ferai ça avant le look final, mais une teinte très compliquée à utiliser pour sûr. Donc pour la teinte Benzeni, je la mets pareil au niveau de là où j'ai tracé sa forme. J'ai mouillé un peu mon pinceau et ça l'applique mieux, clairement. Et je vais venir la superposer un peu sur... Stormborn, et je vais venir faire la liaison après de façon un peu plus jolie. Par contre, je ne vais pas je vais dans le coin, mais pas tout à fait. Genre, je vais pas jusqu'au bout du coin. Je vais venir prendre la teinte Bay of Dragons. Et je viens la mettre dans le coin qui reste. Je vais le faire avec le petit doigt. Ben, j'en ai sur mon petit doigt, donc on va essayer comme ça, mais le rendu va être moins joli. Donc j'en mets vraiment dans le coin. Je vais reprendre un peu avec mon pinceau et je vais l'utiliser comme touche de lumière. Hop. Elle fait quand même beaucoup de chutes elle aussi. Donc là, en off, j'ai appliqué du mascara sur mes cils supérieurs et du crayon blanc dans la muqueuse. Je mettrai peut-être du mascara en cils inférieurs, je ne sais pas. Je vais d'abord voir ce que ça donne avec les faux cils. D'ailleurs, il est temps de mettre les faux cils. Pour les lèvres, j'ai décidé d'abord de faire le contour de mes lèvres avec un crayon et de aussi les colorer avec juste après. Et j'ai pris le crayon Posy K, donc de la marque Kylie Cosmetics, qui va avec le Lip Kit Posy K. Pour venir mettre au-dessus de tout ça, je vais utiliser un gloss de la collection MAC Boom Boom Bloom. C'est le gloss, le lip gloss, pardon, Pink Boo.
Alors, que dire sur cette palette Urban Decay x Game of Thrones? Tout d'abord, on va parler de son packaging. Il est magnifique. On n'a jamais vu ça. C'est en accord avec la série. Ça vous fait comme un beau livre précieux. C'est franchement... Moi, j'adore ce packaging. Je le trouve incroyable. Le fait aussi que vous avez la petite citation ici, plus le fameux trône de fer... Voilà, ça reste mythique, iconique. Et puis hop, même l'histoire de la petite trappe là pour la palette, je trouve ça super sympa, hyper beau, hyper original. Et on n'avait jamais vu ça, donc j'adore. Mais du point de vue practicabilité, on va pas se mentir, c'est zéro. C'est un gros machin, c'est lourd, c'est en carton. Donc si vous mettez dans votre sac, ça risque de s'abîmer. Et puis très concrètement, tout ça c'est du superflu. Ce qui vous intéresse, vous, si vous voulez le transporter, c'est la palette. Et la palette, c'est ça. Tout le reste, c'est du superflu, des raisons de payer 66€ la palette puisque vous avez tout ce décor. Mais la palette, c'est ça. Et vous pouvez pas mettre ça dans votre sac, concrètement. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Vos phares vont se péter et vous allez pleurer puisque vous n'aurez plus de palette. Donc, c'est pas pratique du tout. Au niveau de la palette en soi, au niveau, encore une fois... du design et tout, très joli, vous avez les maisons qui reviennent, c'est sympa, surtout pour les fans de la série, ils retrouvent leur héros préféré, donc ça peut leur faire plaisir. Au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est des jolies couleurs, c'est sympa, voilà, vous avez quand même un peu du violet et tout ça, mais pour moi ça reste quand même des couleurs assez neutres, et pour une collection de ce genre, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus fou, des couleurs un peu plus folles, mais ça reste quand même des jolies couleurs. Maintenant, le gros problème que j' ai eu avec cette palette, c'est le nombre de fards mats. Il y a seulement 3 mats, le Lannister Red, le House Lannister et le Nymeria, et concrètement, ce n'est pas assez du tout, et je suis pas la seule à partager cet avis. En général, pour faire un beau make-up, on a besoin de mattes. Les irisés, c'est très joli, vous pouvez le mettre au centre, etc. Mais on a besoin de mattes pour construire des beaux make-up, et 3 fards seulement pour toute cette palette, c'est impensable. Je comprends pas pourquoi il y en a si peu dans cette palette, je ne comprends pas. Après, au niveau de la qualité... C'est de la bonne qualité, Urban Decay est une bonne marque, ils font des fards de bonne qualité, donc... La qualité est bonne, mais il y a un autre problème. C'est pour les fards du genre Stormborn ou Benzoni, par exemple. Ce sont des fards qui sont excessivement poudreux, qui vous laissent des traces et qui s'enlèvent très difficilement. Le Stormborn, j'ai eu vraiment une grosse galère à l'enlever, etc. Ça ne partait pas, j'ai dû refaire une partie de mon teint. C'est pas le seul fard comme ça dans la palette. Ils sont vraiment durs à appliquer. Et depuis le temps qu'Urban Decay fait des palettes et tout ça, et sachant, connaissant la qualité de leurs fards, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pu améliorer ce genre de fard. Donc est-ce que je conseillerais ou pas cette collection? Pour les fans de Game of Thrones, évidemment que je la conseille. Si vous êtes fan de make-up et de fan de Game of Thrones, vous n'avez même pas besoin de mon avis. À mon avis, vous vous êtes déjà procuré cette palette ou vous comptez vous la procurer. Après, pour les gens qui sont pas fans de Game of Thrones, plutôt comme moi, je trouve quand même que c'est une palette qui attire. Vous voyez, moi je suis pas fan et j'ai été attirée. J'ai eu envie de l'acheter et voilà, maintenant je l'ai. Et ça me donne même envie de regarder Game of Thrones pour tout vous dire, donc... On n'a pas tout perdu, mais c'est pas la palette incroyable qu'il faut absolument avoir chez soi. Les couleurs sont assez neutres, comme je vous l'ai dit, et puis en général, vous aurez besoin de la compléter avec une autre palette pour avoir justement assez de mat pour construire des beaux make-up. Après, ça vous empêchera pas de construire des jolis trucs, hein. Il y a vraiment des très belles couleurs, mais c'est pas la palette absolument à avoir, c'est plus un objet de collection concrètement. Voilà du coup pour cette revue sur la collection Urban Decay x Game of Thrones. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel look vous avez préféré. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao.